comme prévu, on va faire directement le tuto selon lequel on avait dit directement de le faire aujourd'hui. C'est le tuto concernant les différentes fonctionnalités selon lesquelles on pouvait directement y faire par rapport au système. Parce que hier, on a travaillé sur les maintenances et aujourd'hui, on va travailler sur l'Unix selon laquelle il y a un étudiant qui a demandé directement comment il pouvait directement supprimer les fichiers temporaires et autres, faire la maintenance sur le système Linux. En particulier, je suis avec Ubuntu. De ce fait, on va directement aller au terminal. Dès que nous sommes ici, nous devrons savoir directement que nous sommes à un droit. On a seulement un droit à un invité. Et si je regarde, il y en a beaucoup de fichiers à l'intérieur de ce fichier. Il y en a beaucoup de fichiers. Et ce fichier-là, nous pouvons directement revoir beaucoup de choses. Il y en a la partie bureau, il y en a beaucoup de choses, quoi. Pour se connecter en tant que super utilisateur, ceux avec qui a tous les droits de faire ce qu'il veut dans un système Linux, c'est-à-dire le super utilisateur, on peut l'appeler dans un système, par exemple, ou comme Kali Linux, ça là-bas c'est le root. C'est le super utilisateur de là-bas, c'est le root directement. Il crée directement le plateforme avec un seul utilisateur, le root. Et après, vous pouvez directement intégrer les autres utilisateurs. Entre-temps, on va faire. Si je tape directement ces commandes-là, il va m'afficher automatiquement le système selon lequel je travaille. Ça, c'est Linux. Parfois, on peut faire ceci pour savoir beaucoup de choses. On met un point d'intro et bon, ici, là, c'est pas génial. On va utiliser une autre méthode et puis on met deux tirets, on met directement help pour voir directement les différentes commandes de ce travail. Si on a mis un tiret s, il va nous afficher le nom du noyau. C'est-à-dire le nom du noyau, là-bas, on avait directement que c'est Linux. Si on a utilisé N, il affiche le nom du nœud du réseau Hostname. Si on tape le R, il va nous afficher la version du noyau. Alors, on commence à faire tout ça pour que vous puissiez directement voir. C'est une seule commande qu'on va travailler aujourd'hui. Après, on va faire directement les mises à jour en question. Alors, du coup, on va rappeler notre commande et on va mettre directement N pour voir qu'est-ce qu'elle va nous afficher. On va nous afficher directement le nom en question. Le nom se fasme. Alors, si on remplace celui-là et on met R, il va nous afficher la version, c'est-à-dire le noyau, ou bien on peut dire directement le noyau du réseau, ou bien comment dirais-je, la version du noyau, c'est-à-dire le système en question. De ce fait, vous voyez toutes ces commandes qui sont ici. Il faut que vous les testez tous pour voir directement qu'est-ce qu'il va vous afficher. Au moment qu'il va tout vous afficher, alors vous pouvez directement savoir directement est-ce que les commandes passent très bien ou bien ne passent pas très bien. Du coup,
cela dépend de vous. Il faut vous exercer plus par rapport à moi. Entre-temps, on va directement aller exactement en se connectant en tant que super utilisateur. De ce fait, on va taper sudo su et puis on tape directement le mot de passe en question. Dès qu'on est connecté, si on a fait dès qu'on a fait ce commande là, si vous le voyez très bien, il va nettoyer directement tout, c'est-à-dire on voit automatiquement là-haut. Je veux préciser que pour faire la mise à jour, il suffit seulement de taper apt-get-6 et puis update. Cela va permettre à l'ordinateur d'aller dans le dépôt, vérifier le logiciel qui ça se trouve à l'intérieur. Et s'il y en a des logiciels qui sont obsolètes, il va directement faire une mise à jour au dépôt. C'est-à-dire le logiciel. Là, on ne parle pas du système. Si le dépôt est parfaitement normal, qu'il n'y a pas de souci à l'intérieur, là, il n'y a pas l'intérêt de faire une mise à jour. Et du coup, s'il y en a des fichiers qui se trouvent là-bas, qui ne sont pas à la bonne endroit, il va directement les effacer automatiquement. Tous les fichiers obsolètes, il va les faire sortir. Du coup, si on parle directement des fichiers temporaires ici, là, dans le système Linux, c'est totalement différent. C'est un système propre, un système digne de ce nom, qui pouvait directement gérer à sa propre autonomie et à une manière de voir les choses. Chaque fois que vous avez mis un clé qui en a des virus, lui, il ne le lit pas par virus, il le lit comme un fichier. Parce que toute chose qui va le brancher, que vous allez le brancher dans votre système, lui, il va le considérer comme un simple fichier. Du coup, lui, il ne prend pas de virus. Et un clé USB que vous allez formater, dans un système Windows, si vous le mettez dans un système Linux, on pouvait voir qu'il y en a des fichiers qui se trouvent à l'intérieur, alors que ce fichier-là sont invisibles à le voir dans le système Linux, dans le système Windows. Par contre, le système Linux peut voir celles qu'on ne peut pas voir à Windows. C'est un système parfaitement conçu, à parfaitement état. Du coup, pour faire la mise à jour du système en question, il suffit seulement de taper apt-get update. Bon, on va taper la même commande qu'on a tapé tout de suite là pour nettoyer. Là, ici, tout le monde peut voir là-haut très bien. Alors, apt-get. Ici, là, c'est U-grade. Et dès qu'on valide, il va nous demander est-ce que nous voulons changer de système, etc. On tape directement le haut et là, il va continuer à faire directement les mises à jour. On va directement continuer à faire les mises à jour. Et bon, les mises à jour du système en question. Du coup, pour moi, de ma part, j'ai stoppé les différentes mises à jour qu'ils puissent directement y faire. Il y en a des mises à jour qui ne pouvaient pas directement me faire sortir au système selon laquelle je suis en train d'utiliser. Mais là, il fait directement les mises à jour. Entre-temps, je veux vous parler de l'autre système dans le domaine de sécurité, dans le domaine de hacking. Et dans c'est Kali Linux. Kali Linux, si vous l'avez installé en virtuel, c'est totalement différent que au moment que vous voulez l'installer
physiquement. Parce que physiquement, vous ne pouvez pas intégrer votre connexion Wi-Fi directement. Il va vous demander de connexion si, par exemple, vous êtes en entreprise, mettez le URL, mettez tout ça, c'est là où vous pouvez directement se connecter directement à l'entreprise. Parce que Kali Linux est énormément sécurisé. C'est le système qui hack les autres, personne ne doit pas le hacker. En réalité, il ferme toutes les portes, même les mises à jour, il le ferme. Alors du coup, il ne prend pas de réseau. Et comme il ne prend pas le réseau, là, ça va lui permettre directement qu'au moment que vous voulez faire les mises à jour de Kali Linux, même une simple volume, là-bas, vous devrez directement mettre des codes pour qu'elle puisse directement s'ouvrir. Entre-temps, je vous parle ça, puisqu'on est en train directement de faire les mises à jour. Je vous parle de cela parce que je l'ai installé dans un autre disque, selon laquelle là-bas, je ne peux pas directement vous expliquer parce que j'ai un souci du parleur. Du coup, si je fais le tuto, et bien si vous m'aimez bien que je fasse ce tuto-là, sachez directement qu'il n'y aura pas de voix. Alors, on va aller à l'aveuglette. Après avoir tout terminé, peut-être on va directement poser les questions et les fichiers selon lesquels j'ai téléchargé que je puisse directement utiliser pour qu'on puisse faire les mises à jour. Je peux directement aussi vous envoyer ça par soit WhatsApp ou bien par Google Classroom. On peut directement les mettre là-bas. Alors, en parlant de Google Classroom et de autres, je me suis passé par une petite curiosité sur le Gmail pour vous expliquer l'importance de Gmail. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ne sait pas franchement la fonctionnalité primaire du Gmail. Et nous pouvons directement y bénéficier à beaucoup de choses. Si une personne qui n'a pas d'email et qui me regarde, sachez directement que vous ratez énormément de choses. C'est ce tuto-là, j'aimerais venir aussi le toucher en particulier. Mais comme on est en train de faire des mises à jour, cela ne m'empêche pas directement de parler un petit peu. Si vous voyez ici, là, vous voyez ce logiciel, ce plugin là qui ça se trouve ici. Ce plugin a énormément de fonctions que chacun d'entre vous pouvez directement voir que il n'y a pas mieux. Parce que si vous entrez directement à Google Duo, cela vous permet de faire des appels. Soit des appels comme les appels vidéo, soit des appels comme ça à la personne selon laquelle vous voulez lui parler. Sans pour autant, vous n'avez même pas besoin d'en avoir énormément de logiciels dans votre appareil que vous puissiez directement y parler. Vous pouvez parler la manière selon laquelle vous en avez envie. Et ici, il y en a la partie, par exemple, celui-là. Il y en a la partie vidéo. Bon, la personne, je ne suis pas sûr qu'on est en ligne. Il y en a la partie vidéo que vous voyez ici, là. Mais aussi, il y en a la partie audio seulement. Et au moment que vous utilisez une adresse Gmail dans votre téléphone, vos numéros automatiquement s'enregistrent là-bas. Et si vous voyez très bien ici là, vous pouvez voir que j'ai des amis ici avec leur numéro. Hein, vous voyez très bien comme ça là, avec leur numéro. Bon, on peut dire, je peux automatiquement les appeler à travers leur numéro, mais aussi je peux les appeler à travers leur email. Alors, s'il y en a parmi vous qui me regardent qui n'a pas d'email,
Ça, c'est franchement regrettable. Et je veux venir là à vous expliquer énormément de fautes en comble, toutes ces opportunités qui se trouvent dans un compte géant. Entre-temps, tous les mises à jour sont bien et bien terminées. Bon, si vous voyez très bien ici, les mises à jour sont terminées. Dès que vous utilisez un système Linux, il faut seulement vous rappeler directement que tout le temps, vous devrez directement faire les mises à jour du dépôt et les mises à jour du système. Du coup, si vous faites les mises à jour du dépôt et les mises à jour du système, vous pouvez directement en avoir la efficacité. Nous sommes ici, on est sorti de 18 Ubuntu 18.04.2 à Ubuntu 18.04.6. Ça, c'est la dernière version selon laquelle lui il l'a intégré. Moi-même, je ne travaille pas, je ne sors pas à la carte de 18 parce que j'ai bloqué directement de ne pas utiliser les autres fonctionnalités parce qu'ils ne sont pas stables. Au moment que j'étais en train d'installer plus précisément le système, il n'était pas stable. Du coup, je n'ai pas. Je n'ai pas utilisé le 19 et je ne compte pas encore utiliser le 19. Je peux l'utiliser par la virtualisation, mais pas ici. Alors, chers amis et frères, il y en a d'autres choses que je pouvais directement vous montrer. Si vous voyez ici, lui, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Presque, j'ai fait les mises à jour, mais il pouvait directement vous proposer les mises à jour à lui aussi. Il suffit seulement de cliquer comme ça. Et dès que vous avez cliqué ici, il va commencer à lancer les mises à jour, mais il va vous demander l'authentification du droit d'administrateur. En fait, vous mettez directement votre adresse et là, c'est tout. Il va directement faire les mises à jour de tous les logiciels qui ça se trouve là. Parce qu'on a demandé directement faire le dépôt du système. Là, il va faire automatiquement les mises à jour automatiquement. Entre-temps, si vous voulez... Si vous utilisez ce système, il faut savoir que si vous venez ici, là où je mets directement le souris comme ça, vous avez cliqué ici. Vous n'avez pas besoin de savoir de comment télécharger ceci, comment télécharger cela. Parce que ici, vous pouvez directement venir ici et chercher automatiquement le logiciel que vous en avez besoin. Par exemple Chrome. Moi-même j'ai déjà installé Chrome, j'ai déjà installé énormément de logiciels, vous pouvez voir directement. Il y en a aussi les logiciels sur lesquels vous pouvez jouer à des jeux. Je l'ai déjà installé. Je l'ai déjà installé à beaucoup de logiciels là-dedans. Du coup, vous pouvez directement aller y visiter et comme ça vous aurez totalement la chance directement de jouer si vous voulez directement jouer au jeu. Vous voyez, il y en a beaucoup de choses, il y en a beaucoup de choses à voir par là-dedans. Entre-temps, si vous êtes dans le domaine de la programmation ou dans le domaine ici aussi, vous pouvez directement venir ici, taper le logiciel et lui, vous pouvez directement cliquer installer. Et dès que vous avez tapé installer, il s'en charge par lui-même. Vous n'avez pas besoin d'être un bon informaticien pour utiliser cela. Vous voyez, paquet traceur et autres, j'ai installé aussi PhotoGIMP. Ça c'est pour faire. Ça, c'est pour toucher les photos comme Photoshop. Mais ça, c'est la version Linux. Et il y en a aussi les phones, la manière dont vous pouvez réinitialiser les téléphones et tout ça. Ça se trouve ici, si vous voyez très bien. Toutes les fonctionnalités, ça se trouve là. Il y en a la VirtualBox. Alors, faire la curiosité, aller télécharger WhatsApp, il est aussi là, si vous le voyez très bien. Mais ici, si vous cherchez un logiciel et vous ne le trouvez pas, sachez que ce logiciel-là peut exister à Linux sans pour autant savoir directement le nom. Ça, c'est le WhatsApp en réalité. Et si je peux vous le montrer, je peux vous le prouver, si je l'affiche ici-là, ça, c'est le WhatsApp.
voyez déjà. Moi-même, je cause ici automatiquement avec vous. Alors, si j'ai bien compris, vous avez bien compris, et s'il y en a une personne qui en a d'autres questions, il pouvait directement les poser. Je suis là et on parlera d'autres sujets à d'autres sujets. Entre-temps, rappelle-moi si on pouvait, si vous en avez besoin que je fasse directement, comment faire pour faire les mises à jour du système Kali Linux pour le domaine de la sécurité, parce qu'on va jusqu'à la sécurité. Au cas où j'ai oublié cela, ça sera mieux de me rappeler. Merci. Et là, on va enregistrer avant de redémarrer l'ordinateur. Mais rappelez-le ultérieurement, on va enregistrer. On va enregistrer d'abord.